Hi everyone, and welcome to our channel. In this episode, we are going to show you how to use a life boat. In France, every 5 years, we have to send our life boat for a check. And it's so expensive. So when the life boat is too old, it's better to buy a new one. That's why we are using this one for a test. And also to practice how to use it. Si on était vraiment en détresse, est-ce qu'on pourrait compter sur celle-ci? Est-ce qu'on va vivre ou est-ce qu'on va crever? Je suis le capitaine. Je redécouvre. Déjà. Il n'y a pas qu'on coule un jour parce que je ne sais même pas comment ça marche. Non mais nous apparemment tu défais ça là et tu jettes dans l'eau, c'est tout, non? Oui, bah, non, si tu la défais que tu jettes, tu vas la regarder partir et flotter. Avant de la défaire et de l'acheter, il faut déjà attacher un bout de ton. Là il est déjà attaché. Mais tu l'attaches à quoi? Ton bateau qui est en train de couler? Ouais, ton bateau qui est en train de couler. Allô? Mais non, mais il faut enlever le truc noir autour. Non, c'est fait pour éclater, c'est comme la toile blanche, tu comprends pas. Il va pas éclater là. Attends, tu vas voir, après faut tirer. Tire, ça, tire fort, fort. Faut tirer fort, je crois. La pousse là, hein. De loin ou pas de loin ou... Mais c'est qui? Ça éclate, hein. Moi je crois qu'on va mourir. So if one day the boat is going to sink, we will have to do that. On va pas mourir. I hope we will never use it. Wow! Ouh, mais ça fuit! This lifeboat is for 8 people. And we are going to show you what you can find inside. Mais récupère la lumière. Plus, hein? Monte. Tiens. Donc nous avons à l'intérieur Gaëtan. Of course, you don't have to do like Florian. You cannot smoke inside. Cas de problème, on coupe la lanière qui nous sépare du bateau. Si le bateau coule, c'est mieux, sinon on part avec lui. Ok. Voilà. Qu'est-ce que nous avons là? Là, on a petite boîte de réserve qui se compose comme ici. Allez, venez les gonzesses. Alors ici on a une pagaie. C'est une ancre flottante. Ouais. Tu mets ça dans l'eau. That is a floating anchor. And you have to use it if there is too much wind or too much current. There is two paddles. To try to reach the land. Ah, ça c'est les instructions. Bah ouais. On a de la lecture. Monsieur, il est interdit de fumer dans le radeau de survie. Oui, mais c'est l'herbe, déjà, il n'y a pas de problème. Ça peut vraiment aider. Je vais être obligé de couper cette séquence. Non, non, maintenant t'as le droit. Hein. En Californie, partout, ça passe bien. Il doit y avoir un truc pour faire de l'eau, non? C'est ça. C'est une pompe? That is a pump to inflate the lifeboat if needed. Allez, à la baille. Eau potable, considérée en masse. L'échelle. C'est de l'eau. 2 x 5 x 50 ml. Les hôtesses de l'air, s'il vous plaît. Les hôtesses de mer. De l'eau. Vous nous faites démonstration. C'est quoi, de l'eau? On a une petite lampe. Ah, d'accord. Ah, putain, c'est dégueu en plus ces trucs-là. Ah, c'est pour faire du. L'immorce. L'immorce? Ouais, c'est une lampe étanche. Ah non, si tu peux la laisser allumer en mode. Ok.
D'accord. Allez. Allez, chacun une petite bouteille et on boit. Alors là, tire là-dessus pour voir. Allez, bois, fais une démonstration. Ouais. 8 personnes, il y a 8 paquets, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc 8 paquets. On peut durer combien de temps? En tout, 2 fois 5 fois 50. Espérance de vie 6 fois 50, t'as 1 demi-litre chacun. On a 1 demi-litre chacun. Espérance de vie, c'est... That is water. And there is only 2 liters. So if one day we have to use it, we will have to take more water. Et encore une fois, ils ont foutu les sacs poubelles. J'ai pas dans la mer. Ils ont mis des poubelles. Bonne, tonton. Magnifique. Trop bonne. Tiens, je te donne, il reste une pochette pour toi. Voilà, de l'eau, un peu de pub, Seven Ocean. Magnifique. Hop, une petite écope. Une écope, une éponge. Ouais, super. Et on en claquant, on a dû claquer pour la Coupe du Monde, ça. Bah ouais, c'est ce que je suis en train de me dire, putain, c'est con. Et ça, c'est quoi? C'est des piles. Ça, c'est pour la lampe. Ouais, ouais. Bien fait. Les bains, ils ont trop de moustiques. Voilà, on saura ce qu'on a dans notre radeau de survie. Voilà. Il y a même un petit miroir, c'est cool. Ils ont pensé à nous, ils ont mis la pince épilée, tu crois, mec? Une poignée pour si tu fais. Non, ça, c'est pour faire des signaux avec le soleil. Aux avions, tu sais. Ouais. Ou... Ah ouais. Tu vises. Ouais. Ouais, tu vises et tu fais des signaux aux avions. Ça, c'est pour un homme à la mer. Hein. Mais ça, on est flottant. Viens, on essaie d'appeler. Et puis on a l'encre flottante. Comment ça va gagner, hein? Des signaux comme ça. Ouais. Et après, il n'y a pas une serviette. Voilà, comme ça. Là, magnifique. Elle était bonne? Non, je sais pas. Martine, s'il vous plaît, on va attaquer là. Merci. Pour la vignette. Et c'est quoi ça alors? Ça, c'est une pompe. Si ça se dégonfle, tu regonfles. Ah ouais, d'accord. Bah si ça se dégonfle un peu là, t'as les trucs, regarde, tu peux regonfler. Ouais, c'est pas con. Donc, ça c'est quoi, c'est pour la pluie là-bas, c'est un récupérateur de pluie? Ça, ah ouais. Ouais, je pense. Hein. Oui, c'est un regarde, c'est écrit. Ah ouais. Bouteille d'eau. Ah ouais. Récupérateur de pluie. Bien fait, c'est quand même bien fait. Une lampe et tout, on est bien toi. Attends, je vais faire les signaux. Tu vas dégonfler au reflet, tu vas t'en débarrasser. Au secours! Au secours! Au secours! Venez nous chercher! Ah, il arrive. Il arrive. Sérieux? Non, je déconne! Il s'est arrêté. C'est vraiment un bon. Dad's called the boat for rescue, making a joke, but the boat stopped to rescue us. Hola, buenas! No, todo bien, lo probamos. Era una broma. Hola, buenas. It was a bad joke. Hola. Ça fait quand même un sacré bonheur. Les fièvres, c'est gratuit maintenant. Hope you like this video and see you in 2 weeks for the next episode. In the next episode, we are sailing from Panama to Colombia. Je me suis occupée, donc j'ai habillé Rocky. And I looked after my dog to get cozy. Une petite pilote. Voici Chloé. Oh, elle a ouvert les yeux.
here.